toujours en mouvement, la charbonnière. Ses jobbers, ses bars, son architecture donnent au quartier un esprit singulier. Pascal y vit depuis 28 ans, pratiquement depuis la création du quartier. On est arrivé d'un programme RHI, village Toto, village chinois, tout ça. Donc on est arrivé ici, on se connaissait déjà. Ensuite, au fur et à mesure, y a d'autres personnes qui sont arrivées. Et quand la population augmente, elle augmente avec tout le reste, avec des choses positives comme avec des choses négatives. Du négatif, Myrta en déplore aussi. Du haut de ses 23 ans, elle n'hésite pas à parler de la violence trop facile et du désœuvrement de certains jeunes. Quand tu es ici, tu es chez toi, oui, tout va bien. Mais dès que tu sors dans la rue, si tu regardes pour les gens, ce que les gens disent, tu regardes pour les gars, tu vas aller nulle part, tu vas pas avancer. Parce que pour eux, ils voient une petite fille déjà, t'as des seins, t'as un peu de fesses, oui, t'es déjà bonne. Et du coup, tout ça les retarde parce qu'ils pensent qu'être dans la rue au lieu de réfléchir. Son autre regret, les activités culturelles, de moins en moins nombreuses dans ce quartier qu'elle aime. Les kermesses qui avaient eu lieu là, c'était pour les cultures, pour pouvoir montrer nos richesses, tout ce qu'on a. Mais là maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Personne ne connaît. Tu demandes par exemple à une pure bûchinègue comme moi aussi, lui demander est-ce qu'elle sait faire la broderie? Non. Tu sais danser à Wassa? Non. La fringui, c'est le repas traditionnel des bûchinègues. Est-ce que tu le sais faire? Non. Dans la famille Johan, la transmission de la culture bushinengue est bien assurée. Les plus jeunes comme les aînés, filles comme garçons, tout le monde maîtrise l'art de broder le pangui. Johan, elle, manie l'aiguille depuis près de 12 ans. Certaines jeunes le font toujours, mais pas beaucoup. Et pourquoi ça d'après toi? Je sais pas. Je sais pas. En plus, c'est pas facile à faire, ça prend du temps. Il faut avoir du temps pour faire ça. Retour chez Pascal. Il vit ici avec sa femme et ses trois enfants. Une maison exiguë, perméable au bruit d'un quartier très animé, quasiment 24 heures sur 24. Et le quartier, il n'est pas perdu, si vous voulez. Il y a simplement peut-être de l'ordre à remettre, parce qu'il y a beaucoup d'informels, et donc essayer de régulariser certaines situations. Des réajustements qui pourraient venir à partir de l'an prochain. La mairie planche sur des chantiers de rénovation. 30 ans après sa création, la charbonnière s'apprête à prendre un nouveau virage.